Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'épisode 80. Eh oui, 80 de Bleach Brave Souls. 80 heures de let's play sur ce jeu et beaucoup plus d'heures de jeu en réalité pour moi étant donné que je joue tous les jours depuis presque 2 ans maintenant. Même plus que ça parce que je crois que j'ai dépassé le 630e jour. J'ai une récompense, je crois, pour le 630e jour de jeu, donc ça fait plus de 2 ans que j'y joue. Excusez-moi pour la toux. C'est waouh. En plus, cette. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, on va attaquer Fate to Bake parce que l'arc est sorti hier. Alors, juste au moment, enfin oui, hier, au moment où je tourne cette vidéo, pour vous, ça sera 2 semaines avant. Parce que j'ai, voilà, j'ai quand même un petit peu d'avance de 2 semaines sur mes vidéos. Ce qui est très court parce que, voilà, j'ai toujours du travail, donc cette avance va très vite se réduire. Donc je disais, voilà, Fate to Black. Donc si vous n'avez pas vu le film, Fate to Black, c'est le troisième. Je l'ai revu hier. Je vais être honnête avec vous. J'ai chialé devant le film. Tellement en fait, j'avais pas. Quand je l'ai vu la première fois, en fait, j'avais pas compris entièrement le propos du film. Et maintenant, je l'ai compris et clairement, waouh quoi. C'est juste, j'avais oublié beaucoup de passages du film. Et ouais, j'ai chialé devant le film quoi. Tellement il est bon. Tellement elle est. Donc, c'est un film en fait qui. Au départ, je pensais que c'était juste une histoire du passé de Rukia. Enfin, dans mes souvenirs, c'était ça. C'était juste une histoire du passé de Rukia avec. Voilà, avec 2 amis qui étaient décédés, qu'elle avait oubliés. Mais en fait, non. Le film est essentiellement centré autour du lien très puissant qu'il y a entre Rukia et Ichigo. Et il nous repasse au moins 3 fois la scène. Où Ichigo, en mode flashback, où Ichigo se traverse la, enfin, se transperce la poitrine avec le Zanpakuto de Rukia, de l'épisode 1, la scène emblématique de l'épisode 1 de Bleach. Donc on va tourner autour de ça. Et, ah oui, et puis ça tombe très bien que cet arc tombe maintenant, parce que j'avais, voilà, je vous ai dit à l'épisode précédent, hein, l'épisode 79, que j'avais peur de tomber à court de contenu. Et ben là, vous allez avoir au moins 2 bons épisodes, au moins 2, de Fate to Black. Et honnêtement, voilà. Donc, ce qui me permet d'avoir 2 semaines de plus. Et il y a un let's play d'1h25 qui est en attente également sur ma chaîne YouTube. Sur Xenonaut, voilà, je vous donne le nom du jeu. Bon, c'est. Vous allez voir quand vous verrez le let's play, ce jeu a énormément de défauts au point que je n'en ferai pas une série. Mais voilà, si vous voulez voir un jeu qui s'appelle Xenonaut, il sera peut-être dans 3 semaines sur ma chaîne YouTube. Et je vais entamer un autre let's play, un petit peu du même genre, dans quelques. Voilà, dans quelques. Ouais, dans quelques semaines. Enfin, quand il y aura des creux de Bleach Brave Souls, vous aurez un let's play certainement de ça. J'avance un petit peu dans le jeu pour être sûr que ça vaille le coup de faire un let's play. Mais voilà, j'ai un autre jeu en ligne de mire qui est très bien. Enfin, pour le moment, qui est très bien, mais il y a quelques subtilités que j'ai pas encore très bien saisies. Donc, je vais pas me retrouver comme Xenonaut. Enfin, voilà, vous allez voir. Voilà, j'ai donc la suite de Bleach Brave Souls, elle est toujours, voilà, elle est toujours prévue. Et pour les trous éventuel de Bleach Brave Souls, j'ai d'autres let's play possibles. Voilà, donc vous avez du contenu pour peut-être les 2 prochains mois. Voilà. Et ben on est parti pour Fate to Black. Dans le Seireitei. Voilà, alors le film commence sur Mayuri. Oh, c'est terminé. Qui est là? Ok, d'accord. Bon, alors, faut savoir également que j'ai trouvé ce film était super bien dessiné, beaucoup mieux dessiné que bah déjà que Memory of Nobody, et peut-être sur certaines scènes peut-être mieux dessiné que Demon's Dust Rebellion. Donc, je vous rappelle, hein, bon, Memories of Nobody, c'était voilà, c'était le premier film de Bleach.
Bon, ça racontait une histoire, elle était scénaristiquement cool, voilà. Damon's Rebellion, ça jouait énormément sur l'émotionnel avec moi, parce que bah, c'est Toshiro. C'est Toshiro, et évidemment, un film avec Toshiro ne peut que être bon dans mon esprit, malgré de grosses failles scénaristiques dans le film. Là, ce film, il est beau, il tient debout, et il joue aussi sur l'émotionnel, mais bien, quoi. Donc ce film est génial, Fate to Black, je vous le recommande. Bon, après, il y a Hellverse. Et Hellverse, c'est juste une putain de tuerie. C'est le film le mieux réussi de Bleach, mais ça, on le verra quand il sortira sur le jeu. Bon, bref. Qui est là? Ah, bon. Donc, on a deux assaillants qui viennent de faucher Mayuri. Et donc, Mayuri a laissé tomber cet objet qu'il a récupéré et qui permet de contrôler un appareil de son... De son laboratoire. Et donc Mayuri a perdu la mémoire suite à ce fauchage, en fait. C'est le pouvoir de la faux de l'ennemi qui a tendance à faire perdre la mémoire, en fait. Quelle est cette machine? Maître Mayuri, tout va bien. Qui es-tu? N'approche plus. Tu veux me capturer, c'est ça? Ne m'approche pas, tu m'entends? Maître, qu'est-ce que... les experts en Kido et les Shinigami sont convoqués. Un individu est en train de saboter le laboratoire supérieur au bureau de développement technique. Un nuage dense de particules se répand. Voilà, et donc, il y a un espèce de nuage qui apparaît au-dessus de la 12e division et qui laisse tomber ces espèces de serpents, blancs qui envahissent ces Reitei. Et qui bloquent les Shinigami, qui vraiment les transforment en statues. Reculer, c'est quoi ces trucs? Ne m'approchez pas. Que voulez-vous me faire? Ah oui, puis là, il y a Kenpachi. Eh ben, t'as fini par péter un plomb. Que se passe-t-il? Ah, il y a une erreur, là. C'est non, n'y va pas. Et pas non, ne fais pas ça. Normalement, dans le film, c'est ce qui est dit. Mais bon. Allez, admettons. Qui va là? Alors, si vous nous spoilez les noms, ça va pas le faire. Ok, d'accord. Donc voilà, ce sont les deux adversaires de... Enfin, les deux, entre guillemets, méchants de Bleach, mais pas si méchants que ça en réalité, on va le voir. On efface son existence. Vite, vers les hauteurs. Le Seireitei. Ça leur apprendra, on devrait tous les anéantir. Nous n'avons fait que perdre... Nous n'avons fait que perdre et ils n'ont fait que prendre. Voilà, et donc Rukia... Voilà, est en train de perdre la mémoire et on a tous ces flashbacks... Donc de Renji qui porte Rukia, Byakuya, Ichigo. Voilà. Donc on a ça. On a donc ces deux individus qui ont réussi à foutre le bordel dans le... Donc à faire perdre la mémoire à Mayuri, à faire perdre la mémoire à Rukia et à... Et donc à détruire... Alors c'est dit dans le manga, dans le film... À peu près 30% du Seireitei. Ok, donc oui, ça c'est l'équipe que j'ai actuellement. Je l'ai... Ah oui, j'ai toujours... Comment ? Uryu
dans comment qui là j'ai toujours Ryu dans le dans mon équipe, c'est toujours mon trainer, mais encore une fois je vous le dis, je pense qu'il y aurait meilleur trainer, c'est juste que j'ai la flemme de faire, enfin d'équiper un autre trainer en fait. Mais bon, qu'est-ce que c'était? Excusez-moi. Tu fais quoi au juste? J'essaye de lire le mot laissé par Serette, mais il est codé, je ne comprends rien. Coche que je suis KTRL. Voilà. L'indice, c'est ce dessin? Ne critique pas une œuvre d'art de Serette. Et c'est qui cette Serette? Voilà, donc Ichigo a oublié qui était Rukia. Parce que voilà, quand la faux, quand elle a percuté Rukia, en fait, elle a effacé non pas la mémoire de Rukia, mais également tous les liens qu'elle avait avec chacun qui partageait sa mémoire. Serette, c'est Serette, qu'est-ce que tu racontes? Tu as perdu la boule? C'est toi qui l'as perdu, je suis crevé, je vais me coucher. Et là, pendant le sommeil, Ichigo se souvient de Rukia en fait. Allons-y, Ichigo. Tu dois devenir un Shinigami. Voilà. Cette scène-là, on va nous la resservir au moins 3 ou 4 fois dans le film. Et putain, quoi, ça prend aux tripes à chaque fois qu'on voit cette scène emblématique où Rukia offre ses pouvoirs de Shinigami à Ichigo, quoi. C'est vraiment la scène emblématique et le film va tourner beaucoup autour de ça en fait, autour de la création de ce lien, enfin, du lien entre Ichigo et Rukia à ce moment précis. Et c'est ça en fait le propos du film. Et au départ, la première fois que j'avais vu ce film, ça remonte à longtemps. J'étais peut-être pas dans les bonnes conditions pour bien comprendre le film aussi, hein. Je crois que j'ai regardé ça pendant que j'étais en la première fois que j'ai vu le film, je devais être en période de bac. Alors, j'avais pas vraiment le. Non, ou alors j'étais en BTS. Ben voilà, je devais passer mon BTS ou un truc dans le genre. Je devais être, voilà, en examen et honnêtement, voilà, j'avais peut-être compris les propos du film de travers. Voilà, mais là, de l'avoir revu hier, honnêtement, il m'a tué ce film. Rukia. On dirait un dessin de cafard. Est-ce à côté du. Et à côté d'une pastèque. Ce serait donc une coccinelle. Dans ce cas. Je suis rentré à la Soul Society pour une affaire. Je reviens dans quelques jours, imbécile. La Soul Society. Donc là, Ichigo sent qu'il est arrivé quelque chose à Rukia. Ouais, hop. Moi, je suis content parce que ça va me faire des orbes. Alors malheureusement, le Ichigo de Helverse, je l'ai pas eu. Dans la loterie, il y a eu une loterie Helverse avec Ichigo. Bon, qui spoil le tout parce que voilà, si vous n'avez pas vu le film, mais. Mais normalement, vous avez vu le film. L'avantage aussi de cet épisode-là, c'est peut-être que je vais vous donner un avis sur le film que vous avez peut-être raté ou que vous n'avez pas vu ces choses-là sous cet angle-là. Voilà, ça me permet de donner un avis également sur le film. On a des nouveaux personnages! Bah écoutez, on va pas la maxer tout de suite parce que je suis sûr qu'il y a son nom qui apparaît. Et je vais pas spoiler non plus, mais bon, normalement si vous avez vu le film, vous connaissez tous son nom. Ah oui, et puis il y a ça aussi. Il y a surtout ça dans le film, c'est que Kisuke remet son costume de la 12e division pour intervenir, quoi. Et ça c'est ouf parce que
On voit Urahara combattre. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Avec Benimé. Voilà, et donc on se retrouve justement dans la boutique d'Aurore. Et donc, cette Rukia Kuchiki, qui est-ce? Mais qu'est-ce que tu dis, Rukia, voyons, une de tes clientes régulières? Une de mes clientes, vraiment? Ah oui, en effet, c'est marqué ici. Mais je suis désolé, ça me dit vraiment rien. Alors, il aurait dû. Et là, c'est un truc, voilà, du film. Ichigo aurait dû parler du Ogyoku. Sûr que Ichigo parlait du Ogyoku à Urahara. C'est tellement quelque chose de fort le Ogyoku et Urahara l'a caché dans l'âme de Rukia. Donc c'est là qu'est essentiellement le lien, un lien très fort entre Rukia et Urahara. C'est qu'Urahara s'est servi d'elle pour cacher le Ogyoku, qui est un objet quand même assez emblématique pour Urahara. Honnêtement, Ichigo, il aurait été malin sur ce coup-là. Il aurait parlé du Ogyoku à Kisuke, quoi. Et là, tout serait revenu, quoi. Aizen, donc résultat, Rukia, donc tout, quoi. Mais bon. Parce que pareil, personne ne parle d'Aizen dans le film. Parce que justement, vu que Rukia a été oublié, le Ogyoku qui était caché dans Rukia a également été oublié. Donc Aizen a été oublié. Eh oui, enfin voilà, c'est très lourd de conséquences en réalité la perte de Rukia dans l'animé. Mais je suis désolé, ça me dit vraiment rien. Que se passe-t-il? Quelque chose lui est arrivé. J'ignore si ça a un lien avec cette Rukia, mais il y a eu un incident dans la Soul Society. Mayuri Kurosuchi est devenu fou et a détruit ses équipements. Et un tiers du Seireitei aurait été détruit. Si les deux incidents sont liés, ça pourrait expliquer nos pertes de mémoire. Enfin, je suppose. Quels sont tes liens avec Rukia? Eh bien, c'est une amie très proche. Et c'est ma sœur et bien-aimée. Ah oui, il y a Kon également qui est beaucoup. Allez, Ichigo, à la Soul Society. Et comment? Oh! Dommage parce que là il y a quand même un truc quand même, il y a un gros plan sur le visage d'Ichigo, vraiment déterminé, et qui dit à Urahara, Urahara, ouvre-moi un Saikaimon. Et c'est juste, ben voilà, je sais pas, rien que ce plan et il m'a pas bien dit. Alors je suis désolé, hein, mais clairement vu le chef-d'œuvre, ben voilà, vu que dans l'état que m'a mis le film hier. J'ai peur d'être déçu par le jeu, clairement. Le jeu, ils ont intérêt à ne pas foutre en l'air le film. Là, j'espère que Calab ne s'est vraiment pas planté sur le film, quoi. Surtout sur les scènes emblématiques du film, ils ont intérêt à vraiment avoir mis le paquet, hein. Parce que là, je vais gueuler. Ah oui, puis il y a ça surtout. Le masque de Holo. Ichigo, dans le film, utilise. Alors, à un seul moment, par contre, son masque. On aurait aimé qu'il l'utilise plus. Honnêtement, moi, j'aurais aimé qu'il utilise beaucoup plus son masque. Et attendez, j'ai un doute. Ah, puis le film est sur mon disque dur externe, je peux pas le regarder. Ou alors. Ah non, bah non, il est pas branché mon disque dur externe. Je voulais juste relancer le film pour voir. J'ai pas fait attention au masque d'Ichigo. Si c'était celui avec les deux bandes noires, ou si c'était l'ancien, avec les anciens motifs. Mais je crois que c'est celui avec les deux bandes noires, hein. J'ai un doute. Bon. Ichigo regarde ça là.
Voilà, donc il tombe là-dessus, donc des Shinigami statufiés. C'est quoi cette blague? Ce n'est pas une blague. Un vrai massacre. Les capitaines ont dû survivre, mais les autres. Et Sœurette, elle n'a rien, hein? Tiens-toi tranquille, allons la chercher. Oh, cool, puis on a des nouveaux ennemis! On a des nouveaux ennemis! Ça, c'est bien! Ça, c'est bien dans le jeu, voilà! Bon, ils sont d'assez bas niveau, donc on peut pas vraiment savoir. Attendez, je vais juste laisser un me toucher pour voir un petit peu les attaques. D'accord. Juste laisser un peu me toucher parce que. Juste pour voir un petit peu. D'accord, ok. Bon, ben voilà, il a des attaques chargées, voilà. On aura vu un petit peu de quoi étaient capables ces ennemis-là. Bon, bah écoutez, ouais, non, c'est cool. C'est cool, on va avoir des nouveaux ennemis, enfin. C'est sympa. Serpent de particules spirituelles. D'accord, ok, c'est comme ça que ça s'appelle. Ben ouais, c'est sympa. Alors, un truc qui est dommage dans le jeu, qui serait vraiment cool, c'est de pouvoir avoir les ennemis, mais en carte. Enfin, de vraiment pouvoir. Attendez, je remets Audacity devant mes yeux. Hop, voilà. D'avoir les ennemis en personnage jouable. Ça serait cool, hein, même les holos. Enfin, les holos de glace, par exemple, les holos qui burst dans la glace, honnêtement, ça serait cheaté. Ça serait cheaté en PvP, notamment. On en met un, il gèle les ennemis, puis on met des persos super forts derrière pour pouvoir les flinguer. Mais voilà, ça serait quand même cool. Donc ouais, donc on a une image. Donc ok, d'accord, c'est l'ancien masque. Ça c'est peut-être incohérent parce que ça veut dire que ça se passe avant le combat contre Ulquiorra. Le film se passerait avant le combat contre Ulquiorra. Or donc ce serait pendant la pause, enfin pendant la préparation d'Aizen. Voilà, pendant que le CRT se prépare au combat contre Aizen. Ouais, dans la chronologie, honnêtement, ça aurait été bien de placer ce film en fait après. Parce que je sais même pas quand est-ce qu'il est sorti par rapport au manga, je sais même plus. Ouais, il est sorti avant la fin, donc de toute façon ça allait spoiler l'animé si jamais on. Si jamais il mettait le masque avec les rayures. Ah, ça fait un anachronisme, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire contre le spoiler. Ah, dommage. Donc c'est ce masque-là, c'est le masque avant. Par contre, il est bien rempli, hein, donc c'est vraiment. Ouais, avant le combat contre Ulquiorra. Ouais, oh, c'est. À niveau, bah, disons que niveau sur la frise chronologique, honnêtement, ça fait très court, quoi. Ça fait vraiment très très bizarre. Donc honnêtement, dans la timeline du manga, on va dire que ça s'intègre mal. C'est un peu dommage. Je viens de m'en rendre compte. Mais juste à cause des signes du masque d'Ichigo. Juste à cause de ça, les gars. C'est. Ah, c'est dommage. Mais je me souvenais plus. Si... Enfin, pourtant, je l'ai vu hier, le film, mais je me souvenais plus si le masque, il avait les rayures ou s'il avait les. Enfin, les rayures. D'eau vers le bas ou du milieu vers le côté. Donc c'est du milieu vers le côté, donc c'est avant le combat contre Ulquiorra.
Bon. Lui, tu le connais? Ah ouais, donc Ichigo voit Shuei. Mais évidemment, plus personne ne se souvient d'Ichigo parce que Ichigo, bah, la conséquence des pouvoirs d'Ichigo, de Seruka. Donc, de vue. Shuei, qu'est-ce qui se passe ici? Attention. Donc voilà, donc ils sont attaqués par un. Voilà, puis donc Ichigo direct le Bankai, le masque, et il découpe le serpent en deux. Et ça, c'est vraiment magique. Et dommage que vous l'ayez. Allez, dites-moi que vous avez mis un screen. Dites-moi que vous avez mis un screen de ça. Dites-moi que vous avez mis un screen de Ichigo qui défonce. Non, ils l'ont pas mis. Ils l'ont pas mis. Oh, juste là, un screen de Ichigo qui balance son Getsuga Tenchō entre les deux yeux du serpent, quoi. Juste ça, quoi, les gars. Tâchez pas. Tu ressens vraiment la puissance d'Ichigo à ce moment-là et tu le mets pas, putain! Oh. Qu'est-ce que c'était? Ce masque, qui es-tu? Ah oui, et puis bah évidemment, maintenant que je me rappelle, il y a un conseil de Yamamoto avec les capitaines, et on voit pas Shinji, Love et Shinji, Love et j'ai pas le dernier. Le quatrième capitaine qui est dans les. Enfin le troisième capitaine qui est dans. On voit pas Kensei non plus. Enfin voilà, on voit pas les bizarres capitaines lors de la réunion. Donc il y a Kensei et le dernier. Ah je sais plus. Celui qui a le Zanpakuto en forme de fouet doré. J'ai plus son nom. Donc bref, on les voit pas dans le film, donc ouais. Donc évidemment, ça se passe pas après Aizen. Ça se passe ouais avant l'arc donc d'Aizen. Mais voilà. Mais pourtant, Ichigo maîtrise son masque. Or, il maîtrise son masque. Voilà, Lord. Enfin. Juste avant les premières attaques des Arrancars. Donc, où ça se situe dans la timeline? C'est chaud, quoi. Shuei, c'est moi, Ichigo Kurosaki. Fichu amérante, saisissez-le. À vos ordres. Shuei, je ne veux pas me battre contre toi. Reviens. N'empêche le décor de la So Society là, comment il est waouh quoi. Vraiment cool. Et évidemment, qui est-ce qui débarque? Assez amérante, c'est toi le responsable. C'est moi, Ichigo, tu me reconnais pas. Qu'est-ce que tu dis? Arrête, Rinji, je ne veux pas t'affronter. Ordure, comment connais-tu mon nom? Écoute-moi, Rukia est en danger. Rukia, mais de qui tu parles à la fin? Ne me dis pas que tu ne te souviens pas d'elle, pourtant tu connais Rukia. Rukia, tu ne peux pas l'avoir oubliée. Tu racontes n'importe quoi. Rinji?
Ok. Allez, quête suivante. On est déjà à une demi-heure. Ça veut dire que j'ai parlé beaucoup. Et pourtant, on n'a passé que le premier tableau. Et on n'est même pas à un quart d'heure du film en vrai, purée. La vache. Hop. Mais au moins, on va peut-être pouvoir découper les scènes. Enfin voilà, je vais vous donner mon analyse du film un petit peu. Le film, puisque je pense du travail de Calab sur ce film. Pour le moment, bah, faut mettre plus d'images du film, les gars. Que se passe-t-il? J'aimerais bien le savoir. Bon, résultat, faire ces épisodes-là avec. À l'épisode suivant, je changerai, je mettrai certainement Ichigo. Parce que voilà, je vais essayer de monter un Ichigo avec. Parce que le truc, c'est que là, mon Oryu, il a les drops de cristaux. Et que j'ai besoin de cristaux en fait. Donc, le moindre cristal, je le prends quoi. Le moindre bonus de cristal, je le prends. On fait quoi maintenant? On s'adapte. Tu ne fuiras pas. Alors évidemment, voilà. Il se retrouve fa face à Komamura. Komamura. Bankai. Ce combat contre le golem de Komamura. Où Ichigo, il balance des Getsuga Tensho, mais en veux-tu, en voilà. Purée. Getsuga Tenchou. Oh, dites-moi que vous allez mettre un screen de ça. Non, 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 putain. Les screens des combats, les gars, s'il vous plaît. Faites un effort. Oh non. Oh, je suis dégoûté. Mais en fait, à part les dialogues, vous avez rien mis du film en vrai. À part 2-3 flashbacks, vous avez rien mis du film dans le jeu en fait. Oh. Déçu. J'écoute votre rapport sur les dégâts. Là, pareil. Là, avoir l'image du film de gros plan sur la salle de réunion pour savoir quels capitaines sont présents aurait été le bienvenu. Mais bon, les dégâts de la coulée de particules spirituelles s'étendent sur l'équivalent de 30% du Sairaitei et des blessés. Je n'ai jamais vu ça. Ils sont couverts d'une coque de particules spirituelles. Je ne peux pas déterminer s'ils sont vivants ou non. Et Kurosuchi, il semble incapable de parler, que ce soit de la situation ou de lui-même, comme s'il avait perdu un pan de sa mémoire. Alors là, c'est con parce que dans le manga, en plus, enfin dans l'anime, dans le film, on voit à ce moment-là, bah, Kurosuchi qui est dans un état un petit peu catatonique. Ça aurait été bien de le mettre là, les gars. Ça aurait été bien. Capitaine Komamura, vous avez affronté une âme errante portant un uniforme de Shinigami. Oui, il portait un masque de holo et avait la pression spirituelle d'un capitaine. Plus inexplicable encore, il semble très bien nous connaître. Capitaine Kuchiki, il semblait proche de votre vice-capitaine, Renji Abarai. Quand je lui en ai parlé, il m'a assuré que l'identité de l'intrus lui était inconnue. Ça ne me plaît pas. Quoi donc? Tout dans cette affaire, moi-même, quelque chose ne va pas. Ah, l'instinct de Toshiro, hein, toujours. Le petit génie qui a un instinct de malade. La situation est critique. C'est l'incident le plus sérieux de notre histoire.
J'ordonne aux divisions d'arrêter cette amérante. Alors voilà. Cette phrase, elle reflète quand même quelque chose. L'incident le plus sérieux de notre histoire. Et Aizen qui essaye de créer Loken, c'est du pipi de chat ou ça va? Donc c'est bien la preuve qu'ils ont oublié Aizen. On est d'accord là-dessus. C'est bien d'accord qu'ils ont oublié Aizen. Bon. Parce qu'ils ont oublié Rukia, ils ont oublié Logyoku, donc ils ont oublié Aizen. Pour moi, c'est logique. Mais bon. Mais résultat, vu qu'en plus, apparemment, Ichigo n'a pas vaincu Ulquiorra, donc Aizen n'est pas vaincu, ça veut dire que au moment du film, Aizen est toujours en vie et que résultat, bah, ils s'en foutent. Donc là, au-delà de la Soul Society, en réalité, c'est même... ben, le roi de la Soul Society qui est en danger et Komamura. Enfin, Komamura. Enfin, la ville d'Ichigo, là... Non, c'est Karakura. C'est ça, Karakura. La ville de Karakura qui est en danger, quoi. Bon, bref, voilà. Et c'est dingue, mais juste un petit détail... Et on a toute une approche du film encore différente de celle que j'avais hier en ayant vu le film. Juste le schéma du masque d'Ichigo, mais ça te resitue le film dans un autre contexte du manga. C'est chaud. Maintenant, c'est chaud. Où suis-je? Excusez-moi, je vais éloigner un petit peu mon micro. Pardon, ne me tuez pas. Tes traitements sont toujours aussi efficaces. Attendez, vous me connaissez. Ah, c'est vrai, j'ai eu la sensation de vous avoir déjà soigné. Voilà, alors Anataro. La petite scène avec Anataro. Honnêtement, elle est super sympa. Par contre, qu'est-ce qu'il fout dans les égouts? Ah non, oui, il dit qu'il nettoyait. Non, ça devait être mon imagination. Ne te fais pas d'illusion, Ichigo. Avouez, vous êtes perdu, c'est ça? Tu peux deviner ça? Oui, je soigne en utilisant la paume de la main. J'entre en contact avec le cœur. Je ressens les blessures du corps et de l'âme. Rester ici ne me mènera nulle part. On repart? Oui. Je te revaudrai ça, Anataro. Mais non. Pourquoi me connaît-il? Ah, normalement, c'est... Comment connaît-il mon nom? Mais bon. Grave. Ah, j'ai bien aimé. Qu'est-ce qui vente? On est à 40 minutes, même pas 40 minutes, donc on a largement le temps. Ah bon, alors c'est dommage, ça spoil là, par The Rukia, mais honnêtement, Dark Rukia, honnêtement, je crois que je vais m'acharner un petit peu aussi sur cette loterie pour essayer de la voir. Parce que elle est quand même méga classe, Rukia, comme ça. Bon bah, ça vous spoil le film si vous l'avez pas vu, mais bon, normalement vous l'avez vu, hein.
Voilà, donc là on a Byakuya qui est en train de fouiller toute la maison parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui manque chez lui. Il y a un truc qui manque chez lui. Et il voit une image de Chappie sur le bureau. Et donc il va se recueillir devant la photo de Hisana, donc la grande sœur de Rukia. Cette photo, c'est Serette. On ne crie pas ici. Désolé de m'être introduit ici. Je ne vais pas causer de problème. C'est une photo de Hisana. Rukia lui ressemble beaucoup. Tu dois le sentir, non? De quoi parles-tu? Ne le nie pas, Hisana est la sœur de Rukia. Rukia. Oui, Rukia, c'est ta petite sœur adoptive. Tu étais prêt à enfreindre la loi pour la protéger. Toi aussi, tu as oublié. Parle. Pourquoi es-tu au courant de Hisana? Pourquoi es-tu au courant de Hisana et moi? Alors ça, c'est vraiment... La Byakuya, sur ce coup-là, je l'aime. Clairement. Parce que... Voilà, Ichigo est en train de lui parler de Rukia, tout ça, de quelqu'un qu'il a oublié. Et Byakuya reste calme et demande à Ichigo de parler, de lui en dire plus. Parce que Byakuya a senti qu'il manquait quelque chose chez lui et que peut-être c'est Ichigo qui a la réponse. Donc Byakuya est prêt à entendre, à écouter Ichigo dans le calme. Et ça, comparé à la première saison de Bleach où Byakuya était quand même plutôt sanglant vis-à-vis de Ichigo, assez violent. Clairement, il y a un gros contraste, comme quoi la Byakuya, je l'aime bien. Là je l'aime bien. Eh bien, capitaine. Et donc là, voilà. Là, Ichigo se fait surprendre à parler avec Byakuya et la division ainsi que Renji intervient. Et là, on va faire ça. Alors là, j'espère que vous êtes pas foirés, les gars de Chikalab. Parce que là, quand même, on va avoir le combat Ichigo-Renji. Et j'espère que notamment sur les flashbacks, vous allez pas vous rater, quoi. Ah. Qu'est-ce que tu fais là? Renji attend. La ferme. Avec toi, les mots ne suffisent jamais. Tu ne comprends que les coups. Bankai. Et donc là, Ichigo, voilà, il sort son Bankai direct. Eh bien, Renji, tu n'utilises pas ton Bankai? Mon Bankai? Eh oui, évidemment. Celui avec lequel tu as sauvé Rukia. N'importe quoi. Rugis Abimaru. Et donc évidemment, bah oui, Renji a oublié qu'il avait maîtrisé le Bankai. Souviens-toi. De quoi tu veux que je me souvienne? Ne joue pas les imbéciles. Voilà. Ah non! Oh, ils ont... Au bout d'un moment, Ichigo, il lève Zangetsu au-dessus de sa tête. Et il prend, résultat, la même posture de combat que lors d'un combat épique entre Renji et Ichigo dans la Soul Society, dans la première saison. Et ça revient à Renji dans un flashback. Ça dure une fraction de seconde, les gars. Vous auriez pu le mettre, ça. Vous auriez pu le mettre. Oh, purée, les gars de Chikalab. Vous avez moyen de faire des trucs de malade. Enfin, juste... Et en plus, ça vous demande pas de l'animation et rien. Juste de mettre des images du film en plus, quoi. Les trucs qui marquent. Je sais pas. Ça dure une seconde et ça donne un relief total à la scène. Et vous le mettez pas. Merde.
Oh, pas possible ça. Voilà, donc là, Byakuya commence à dire dispersez-vous et s'apprête à dire ce boss d'Akora. Donc évidemment. Là, pareil, normalement il y a un gros plan sur le visage d'Ichigo qui est prêt à affronter Byakuya, quoi. Et clairement, en fait, Byakuya parvient à lire dans son regard qu'il s'attend à l'attaque. Que. Bah, Byakuya sait que. Comment? Ichigo connaît les capitaines. Il connaît leur style de combat. Donc. Byakuya se perturbe un petit peu. Enfin, tout ça c'est dit. Franchement, en un regard d'Ichigo, tout ça c'est dit. Juste le fait que Ichigo regarde Byakuya dans les yeux alors qu'il vient de dire dispersez-vous. Byakuya, ça le trouble. Ça le trouble et résultat, il va pas libérer son Sekai. Mais juste le gros plan sur le regard d'Ichigo. Il n'y a même pas de plan sur Byakuya pour savoir dans quel état d'esprit se trouve Byakuya en voyant ce regard, quoi. Limite, on voit le gros plan d'Ichigo sur les yeux d'Ichigo, mais à travers les yeux de Byakuya, quoi. Et on comprend ce qui se passe entre les personnages, quoi. Et ça, c'est une scène tellement. Enfin, ça dure. Le regard dure 2 secondes. Et tu comprends le message qui est en train de passer entre Ichigo et Byakuya, quoi. Sans un mot, juste un regard. Ça, c'est juste du génie. Alors, par pitié, Kalab, pourquoi vous l'avez pas mis? Pourquoi vous l'avez pas mis? Pitié! Isana est née dans le 70e district du Rikongai à Inozuri. Je te remercie. Ah purée, il y a tellement d'actes manqués dans ce jeu. Ah purée. Bon, il nous reste 10 minutes. Si c'est pas une cinématique, on va le faire. Ah, c'est une cinématique. On va essayer de la faire en moins de 10 minutes. Ah, bah oui, donc résultat, bah, on a Rukia au Rikongai. Ouais. Cet endroit. Rukia. Qui êtes-vous? Ma sœur, elle ne se souviendra pas sans voir ton visage. Je sais. D'accord, donc ils ont écrit sœur. On attend. D'accord, donc ils vont écrire frère et sœur pour pas spoiler les noms. Très bien, ça, Calab. Très bien. Parfait. Ça me convient parfaitement. Nickel. C'est très bien d'avoir fait ça. Regarde-nous, tu te rappelles. Rukia. Je peux poser une question, bien sûr. Je sais que je vous connais, mais je n'arrive pas à me souvenir clairement. J'ai oublié quand vous m'avez donné cette lettre. Elle est pas mal, hein. On a copié les petites caricatures. J'étais sûr que tu comprendrais. Pourquoi ne pas avoir signé? On n'a pas de nom. Vous n'avez pas de nom. Mais tu avais promis de nous en donner. Dans le monde des humains, les parents nomment leurs enfants. C'est pour ça que tu devais nous en donner un. Je devais vous donner un nom. Ah purée, ça c'est. Ça voilà, ça c'est une des premières scènes qui m'a tiré une petite larmichette quand même. Vous n'avez pas de nom, si ça vous convient, je pourrais vous en donner un. Je suis heureuse, j'ai toujours voulu que tu nous donnes un nom, donne-nous ton nom. Et oui, et donc là, la petite sœur tombe en larmes en fait quand Rukia dit qu'elle va donner un nom et elle pleure de joie quoi et ça c'est juste ah c'est saisissant quoi ça, je sais pas c'est saisissant quoi comme émotion comme voilà je sais pas il y a un truc qui se dégage de cette scène honnêtement toi aussi tu peux enfin nous aussi on pleure de joie pour elle quoi enfin voilà quoi
S'il te plaît. J'ai déjà choisi. On va avoir un nom. Ouais. Alors, attendez, juste une seconde. Je sais pas si pour vous ce sera plus agréable, mais je trouvais que l'image était très sombre pour le flashback. Donc j'augmente un petit peu la luminosité. Bah moi je vois une grosse différence en fait. Je sais pas si vous, voilà. Bah je crois que je vais jouer en comme ça hein, pour la suite parce que c'est vrai que c'était peut-être un peu trop sombre, je sais pas. Ce frère et cette sœur, c'était vous. Alors dis-nous nos noms. Peut-être que là par contre c'est trop éclatant résultat. Ouais, parce que j'ai l'habitude de jouer en luminosité minimale parce que. Ouais, on voit plus de détails du jeu. Ah, c'est pas vrai. Bon bah voilà, bah vous aurez peut-être voilà. Je le saurai. Faut que je mette la luminosité de mon écran à fond quand je le tourne. Au bout du 80e épisode, ça serait peut-être temps que je m'en rende compte quand même. Je ne vous les avais pas donnés à l'époque. Argue. Tu ne te sens pas bien? Ça ne va pas? Non, ce n'est rien, je suis navré, je ne me souviens pas bien. Qu'ai-je fait tout ce temps? Tu as dormi, Rokia, pendant très longtemps. Tu as été blessé et tu as dormi. Mais ne te précipite pas, maintenant, nous resterons ensemble. Oui. Rokia, ça ne va pas. L'air de cette ville me rend nostalgique. C'est un peu déstabilisant de ne rien savoir sur moi. Rokia. Vous m'avez attendu tout ce temps depuis que j'ai promis de vous baptiser. Je suis sûr qu'ils vont me revenir. Cette colline, oui, c'est elle, Rukia. Cinquante minutes. On va juste faire cette quête là et puis on se terminera là-dessus. Par contre, moi, résultat, quand les écrans sont clairs, ça me décale la rétine. Enfin, ça me décale que la rétine, les gars. Bon. Je sais pas s'il y aura une grosse différence à la vidéo. 10 sœurettes a vécu par ici. Ouais, il semblerait. Elle est dans un endroit pareil. Et. Oui, c'est Rukia. En avant. Je sais pas du tout ce que ça va donner à la vidéo, mais résultat, moi je vois les couleurs plus vives, honnêtement, ouais, le jeu est peut-être plus agréable comme ça. Mais le problème, c'est que ma batterie, elle est en train de fondre. Ok. Bon, bah écoutez, on est à 54 minutes, je coupe, et puis bah on se retrouve à l'épisode suivant, l'épisode 81. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. À la semaine.